baby, you know what I want. You know what I'm asking. Gauche-droite, Nicolas Karabatic. Paris, la Tour Eiffel, la Sagrada Familia à Barcelone, c'est compliqué parce que ce sont deux villes importantes pour moi. Je veux dire Paris. Montpellier ou Paris, je vais rester sur Paris, gauche. Kanye West ou Paris, je veux dire Kanye West. C'était la chanson qui me rappelle les JO de 2012. On passait tout le temps avant le début du match, et comme on a gagné, ça me rappelle des très très bons souvenirs. Are you connecting? Là, je vais dire Tom Brady. Je suis fan de foot américain, de NFL. Et j'admire ce joueur. Je vais dire Imanol parce que c'est mon pote. Je m'entends super bien avec lui. C'était un très grand joueur, un des plus grands joueurs de l'équipe de France. Imanol ou Dan Carter? Dan Carter, c'est quelqu'un de simple, de toujours souriant, de très décontracté. J'ai eu beaucoup de plaisir à le rencontrer. Mais je vais rester avec Imanol parce que c'est mon ami. Je vais devoir laisser Imanol, je vais devoir partir avec Gus, qui est la mascotte de la famille et qui me manque parce qu'il a préféré rester au soleil à Montpellier et pas venir à Paris avec moi. Donc j'espère le voir cet été en pleine forme. Gus ou Tchoufi, Cédric Sorando, mon partenaire d'équipe de France. Donc je vais choisir Cédric. Celle-là, elle est facile, c'est Cédric. Parce que les titres, c'est vrai que c'est magnifique. Et cette médaille d'or olympique, je la garderai à vie chez moi. Je pourrais la montrer à mes amis, à mes enfants. Mais ce qui est beau dans le sport, ce sont pas seulement les victoires, les médailles ou les défaites, c'est les aventures humaines, c'est les personnes que tu rencontres. Et voilà, avoir rencontré Cédric, c'est plus, pour moi, c'est plus important que n'importe quelle victoire. Allez. Voilà, bravo quelqu'un, bravo! Et bravo! Par contre, pour s'en dire, faut bien. J'avais jamais eu la chance de jouer une compétition avec l'équipe de France dans mon pays et ça a répondu à toutes mes attentes. C'était un rêve de gosse et ça a été magique, inoubliable. Un engouement extraordinaire avec tout le peuple, tous les Français, tous les fans de sport qui nous soutenaient. On a joué devant 28 000 personnes et je garderai ce souvenir à vie, mais. Pour la même raison que la réponse d'avant, je vais rester avec Cédric. 30-0-0-7, easy.